là, il est 6h moins 10. Donc, je viens de me réveiller et je vais préparer mon café. Allez, faisons-le ensemble. Dans le café. Voilà. Et il n'y a plus qu'à attendre quelques minutes avant de pouvoir le boire. À tout de suite. Donc là, je vais me préparer pour être prête et partir. Donc là, je suis prête. Allons-y. Voilà, alors là je suis donc au vestiaire et donc on va commencer. Voilà, donc maintenant c'est l'heure de mon petit déjeuner. Donc je vais prendre café. Voilà, donc là, je me relaxe et je mange mon petit déjeuner. Alors, j'avais fait une fois une vidéo sur le petit déjeuner. Donc, je vous remettrai dans la vidéo le lien pour que vous ayez plus d'informations et je vous décris ce que je prends au petit déjeuner. Donc voilà, pendant le temps qui me reste avant de commencer de travailler, donc je mange tranquillement et puis je fais rien vraiment de spécial, je me relaxe. Simplement avant de commencer le travail. Voilà, donc il est 17h et j'ai fini donc le travail. Donc, ce matin, comme vous avez vu, je suis allée à la piscine, donc j'ai déjà fait mon sport. Alors là, je vais me relaxer un petit peu. Je l'ai bien mérité, je pense. Et je vais ce que je fais après le. En ce moment, il fait chaud, comme c'est l'été. Donc, je bois en général, je me fais une petite limonade avec mon citron pressé, un petit peu de sucre et de l'eau bien fraîche avec des glaçons. Donc, je vais siroter ma petite limonade pour me relaxer. Voilà. Et puis, donc, comme vous l'avez vu dans
à l'arrière, je vous montre, voilà le chat. Donc là, voilà le chat qui a passé l'après-midi à dormir sur ma valise. Merci le chat avec plein de poils dessus. Oui, oui, t'es gentil, merci. Et oui, ça va me donner encore du travail à faire pour à nettoyer. Alors là, donc, il est 18h, j'ai pris à peu près une heure de pause et donc je vais finir de préparer un cours de français que je donne demain, donc voilà, tous les mercredis, et donc je vais finir de préparer ça, comme ça c'est fait. Au passage, je voulais voilà, vous parler d'une petite chose. Voilà, je vous ai dit ce matin que voilà, je me lève tôt, que je vais à la piscine, etc. C'est vrai qu'on entend souvent dire voilà, que c'est bénéfique de se lever tôt, que on peut faire plus de choses, que voilà, que le soir on peut plus se relaxer en ayant fait beaucoup dans la journée. Moi je pense juste que il faut juste faire en fonction de ce que vous avez envie. C'est pas nécessaire de se forcer dans quelque chose que l'on n'a pas envie. Moi-même j'ai essayé à plusieurs reprises voilà, de me lever tôt, d'essayer, mais ça marche rarement. Et là en ce moment j'y arrive parce qu'en fait il fait jour tôt et il fait plus assez chaud quand même, donc du coup voilà, je préfère me lever et aller à la piscine. Donc voilà, mais peut-être que dans 2 mois j'aurai envie de faire autrement, peut-être que je vais me lever plus tard et puis que j'irai au sport le soir. Donc voilà, donc quand vous apprenez le français et tout, ne vous forcez pas à faire ça quand à un moment donné vous n'avez pas envie. Voilà, vos plannings peuvent s'adapter. Peut-être que maintenant vous préférez passer un peu de temps le matin, mais peut-être que plus tard, dans 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, je sais pas, peut-être que ce sera plutôt le soir. Donc voilà, juste écoutez-vous et puis voilà, faites les choses quand vous en avez envie. Ah oui, en fait, j'allais oublier de vous dire, donc là, je vais préparer mon cours de français, mais aussi, je vais faire mon Reels sur Instagram, parce que ça fait donc quelques jours maintenant que je fais, ou presque une semaine maintenant, que je fais un Reels sur Instagram, tous les jours, et donc je vais continuer ça, je vais essayer de le faire pendant 30 jours, j'aimerais bien, donc suivez-moi sur Instagram, French Tutoring Fun, et vous me trouverez, donc allez-y, suivez-moi, likez, commentez, voilà, c'est assez fun. I hope you enjoyed watching this video. If you like this kind of video vlogs, do not hesitate to tell me in the comment below this video, and do not subscribe
do not forget to subscribe to this channel. And you, Maya, did you subscribe? Good girl. Do like Maya. À bientôt!